Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. La CENI, Mozito et Fayulu exigent la refonte, réforme institutionnelle et électorale. Le prof Trifon Kinkié dévoile la dernière volonté de Nsinga Oudjou. Forum des As, Kalev récuse le magistrat instructeur. Pour sa part, le conseil de l'ancien patron de l'ANR dresse dans une note technique un tableau récapitulatif de ce qu'il qualifie des manipulations politico-tribalo-judiciaires hyper-médiatisées. La République UDPS contredit la présidence en termes électoraux. Le président Tshisekedi encourage les Africains à s'accorder sur la question du changement climatique. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Je voudrais d'abord essayer encore une fois d'apporter ma contribution sur des questions qui, en principe, ne devraient pas faire débat. Mais c'était plutôt des questions qui devaient nous mettre ensemble pour réfléchir sur des questions électorales. J'ai comme l'impression qu'on fait semblant. Excusez-moi de vous le dire, mais j'ai comme l'impression que nous faisons semblant. Alors, si nous ne faisons pas semblant, il y en a qui prennent cette question des élections et toutes les autres questions liées aux élections, ils les prennent légèrement. Voici mon point de vue. En tout cas, c'est un point de vue. C'est ma manière à moi de voir les choses. Il est bien, il est bon de parler élections. Parce qu'en réalité, les élections ne sont pas un besoin de ce peuple ou je ne sais pas moi, un besoin de je ne sais qui. Les élections est un devoir constitutionnel. De par que ça soit, de par le fait que c'est un devoir et une obligation constitutionnelle qu'on trouve dans la Constitution qui a été votée par le peuple congolais. Par là, on peut dire que le peuple congolais a besoin des élections. Mais nous faire croire que les élections libèrent un peuple, c'est du mensonge et nous le savons tous, c'est du mensonge. Mais je voudrais que les gens m'écoutent très bien. Moi, je ne peux pas aujourd'hui me réveiller un matin et dire non, les élections ne sont pas importantes, ne le faisons pas ou ne les organisons pas. Non, je ne peux pas le dire. Sinon, je vais me contredire. Moi, Christian Bossembe, tel que vous me voyez, je suis un démocrate. Je suis véritablement un démocrate. Mais ma manière à moi de définir la démocratie, elle est totalement différente de la manière que les populistes définissent les élections, ou la démocratie, pardon. Parce que pour plusieurs personnes, ils pensent que démocratie veut dire élection, et ils pensent que démocratie veut dire liberté d'expression. Ce sont là pour eux les deux piliers sur lesquels repose une démocratie. Moi, je dis non. Moi, je dis que la démocratie ne repose pas que sur les élections et surtout pas sur la liberté d'expression. Quoique des vrais piliers, n'est-ce pas? Quoique des éléments importants, quoique des ingrédients, mais la liberté d'expression, les élections
ne suffisent pas pour définir une démocratie. La démocratie est un ensemble de beaucoup de valeurs, de beaucoup d'éléments qui portent sur la vie de l'homme d'abord. Parce que la démocratie, c'est la liberté au sens propre. Or, la liberté, ce n'est pas que la liberté d'expression. La liberté, c'est aussi la liberté de mouvement. C'est aussi la liberté d'user de ses forces, de ses facultés, de tout le reste. Il n'y a pas que la liberté d'expression. Encore que liberté d'expression ne veut pas dire insulter, encore qu'on définit très mal cette liberté d'expression. La liberté d'expression ne veut pas dire insulter. La liberté d'expression ne veut pas dire passer son temps à râler à la télévision. La liberté d'expression ne veut pas dire accuser, calomnier, diffamer. Ce n'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, d'abord il faut définir le genre d'expression. L'expression, c'est je crois que tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut concevoir, tout ce que l'on peut penser, tout ce que l'on peut véhiculer dans toutes les formes d'expression possibles, on peut appeler ça une forme d'expression, une forme d'exprimer, de dire, de penser, de croire, de manifester. C'est ce qu'on appelle liberté d'expression dans leur ensemble. Mais cette liberté d'expression a toujours été encadrée partout dans le monde. Voilà pourquoi des limites, il y a dans certains pays, on dit, ici vous avez franchi la limite de la liberté d'expression. Vous n'êtes plus dans la liberté d'expression. Ici vous êtes maintenant dans la diffamation, dans la calomnie, dans les insultes, dans les accusations gratuites, dans la profanation, la profération, ainsi de suite. Donc la limite, elle est assez visible entre la liberté d'expression et toutes les autres formes de libertinage. Les populistes, eux, ne parlent que de liberté d'expression, comme quoi on passe à la télé, on parle. Mais la liberté d'expression, c'est aussi me permettre à moi de caricaturer mon pays, de caricaturer tout ce que je veux. Du moment où ça respecte la loi, du moment où ça respecte l'autre, nous sommes dans une liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, est-ce elle-même là? Elle ne définit pas la démocratie. Le populiste vous diront que démocratie veut dire liberté d'expression, élection. Mais c'est faux, ils vous mentent. Si vous n'avez que ces deux éléments, ça ne suffit pas pour définir une démocratie. D'ailleurs, la démocratie au sens maximal ne veut pas forcément dire ça. C'est plutôt la démocratie minimaliste ou la démocratie au sens minimal. Au sens réducteur ou réductif. Là, on va dire, ben oui, monimbokwana. Mais je pense que dans un État, l'action du gouvernement doit essentiellement rencontrer le besoin d'un peuple. C'est ça, au fait, le but. Or, ici, il faudrait faire la distinction entre, parce que les gens mélangent beaucoup, entre les vécus de tous les jours et la démocratie. Oui, dans les dictatures, dans certaines dictatures, il y a la vie qui va bien. Oui, les Blancs ont, entre guillemets, appelé ça une fois la dictature de développement. Kadhafi, vous le savez très bien, avait un niveau de vie très élevé. Alors, mais quand on parle de ça, les gens disent, mais c'est quoi la liberté? C'est quoi avoir une vie et vous n'avez pas le droit de parole? Oui, mais le droit de parole de quoi? Vous voulez parler de quoi? Exprimez votre pensée librement, faites-le. Si un État vous interdit de réfléchir, vous interdit de parler, vous interdit de débattre, vous interdit de vous exprimer, on appelle ces pays-là peut-être des pays dictatoriaux. Peut-être, oui, mais je crois qu'on peut appeler ça des pays dictatoriaux. Mais un pays qui laisse les gens parler à longueur de journée et ne donne absolument rien à ce peuple-là, ben ça veut dire quoi? À quoi sert avoir une démocratie, entre guillemets, une démocratie au sens de la nourriture, au sens de la liberté d'expression, de manifester, si vous n'avez pas le contenu? Si vous ne vivez pas, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas l'école, vous n'avez pas la santé, vous n'avez pas les routes, vous n'avez pas les développements, vous n'avez rien. Parce qu'il faut dire aux gens, c'est peut-être une vérité qui va choquer. On peut être dans une démocratie sans développement. On peut être dans un développement sans démocratie. Ça existe. On peut y avoir un développement, mais on n'a pas de démocratie. On peut avoir une démocratie sans développement. Ce sont des évidences. Et encore que la démocratie est un principe. La démocratie est un principe. Ça, on va le dire. C'est un principe, on va dire, universel. Mais la pratique de la démocratie doit être locale. Elle doit être pensée par un peuple, par l'élite. C'est l'élite qui conçoit le contenu d'une démocratie, qui l'enseigne,
qui véhicule ça afin que Batouba ait exactement démocratie et ça nini. Parce que pour la mise en tant que démocratie, ça faiblesse, mon goût. Démocratie, c'est la prime à la paresse. Démocratie, c'est la prime à l'impolitesse. On regarde les Rolingi, on refuse les Rolingi, la démocratie. Toi, la démocratie, toi, l'état de droit. C'est ce que les gens disent généralement. Mutazoba, ta musique est pas naïa, mais tombe le volume, ma ouya, ma classe, autour de papa, volume, quitte ça, le bien, on a un dak, on a un gai, et la liberté, on a un gai, liberté, on a un kakate. Au bout du mot, ta modèle, on a comment lui définit la liberté. Lui, pour lui, la liberté, et ça lui permission à tous les excès. C'est-à-dire, il peut se permettre tout, parce que, entre guillemets, il est libre. Alors qu'il ne sait pas que la notion de la liberté est une notion assez complexe et compliquée, parce que la liberté de l'autre commence lorsque ta liberté à toi s'arrête. Lorsque ta liberté s'arrête, celle de l'autre commence. Ça ne veut pas dire que celle de l'autre est plus importante que la tienne. Non, ça veut dire qu'aucune liberté n'est plus importante que celle de l'autre. Aucune liberté n'est plus importante que l'autre parce que vous êtes tous dans une même liberté. La liberté, elle est toute ou rien. Il n'y a pas de demi-liberté. Il n'y a pas de semi-liberté. La liberté, elle est toute ou rien. Alors, il faut définir ça. Il faut enseigner ça à nos enfants. Dès le bas âge, bayeba. Que vie à moninga na kota mingite, et l'autre à moninga na l'obamabete, moi si à moninga na fingate, ça s'apprend dès le bas âge. On apprend ces petites valeurs-là. Les gens parlent de la démocratie, mais ils ne sont pas tolérants. Comment vous voulez une démocratie si vous n'êtes pas tolérant? Regardez comment vous réagissez quand les gens disent non. Vous êtes intolérants. Regardez comment les gens s'insultent parce qu'ils ne partagent pas les mêmes points de vue. Mais ce sont ces mêmes personnes qui disent on veut la démocratie, mais vous ne pouvez pas. Parce que la colonne vertébrale d'une démocratie, c'est la tolérance. Si vous n'avez pas la tolérance, vous ne pouvez pas parler de la démocratie. Nous avons eu un pays ici, à l'époque de Kabila, c'était un pays intolérant. Les opposants ne pouvaient pas dire un mot. Il suffit de dire un mot, on les arrête. Il suffit de dire un mot, on les arrête. Parce que le pouvoir n'est pas apte pour écouter la contradiction. Or, la démocratie, c'est même la transpiration, je vais dire bien, la coordination de la contradiction. Vous devez être en mesure de vous contredire. Et comme Gustave Le Bon le dit dans son livre « Hier et demain », les divergences intellectuelles se supportent et la raison la plus forte l'emporte. Alors que les divergences sentimentales ne se supportent pas, elles se soldent très souvent par la violence. Je crois humblement que il faudrait que l'on définisse bien la question de la démocratie. La démocratie, au fait, au sens propre, on entend le peuple. La démocratie, on entend le peuple. Et puis on entend le pouvoir. Alors, donc, ça veut dire le pouvoir du peuple. Mais exercé par qui? Par ce même peuple, représenté maintenant. En fait, tout ce que Abraham Lincoln disait dans le cimetière de Gettysburg, aux États-Unis, ce cimetière militaire, et je crois que ça doit être le discours le plus court de l'histoire, ou l'un des discours le plus court de l'histoire, mais qui a traversé les âges. Il disait le pouvoir du peuple pour le peuple, exercé par le peuple. En réalité, qu'est-ce que Lincoln voulait dire? Lincoln voulait tout simplement dire que si, parce que l'opposé de la démocratie, c'est l'anarchie. Et la limite entre la démocratie et l'anarchie, elle est tellement étroite que l'on ne peut pas peut-être voir. On ne sait pas si on est déjà dans l'anarchie ou dans la démocratie. Avec Kabila, excusez-moi de vous le dire, c'était de l'anarchie, c'était pas de la démocratie. C'était de l'anarchie. Et Lincoln veut tout simplement que le peuple comprenne que la limite étant étroite entre entre la démocratie proclamée et l'anarchie vécue, il faudrait dire aux gens, la seule limite, c'est la responsabilité. Ce qui différencie l'anarchie à la démocratie, c'est la responsabilité. Mais cette fois-ci, c'est la responsabilité transcendantale. Ça veut dire entre le peuple et ceux-là qui sont appelés à diriger le pays. Je m'explique. Le peuple ne pouvant pas gouverner tout seul, le peuple doit choisir les mécanismes de sortir en son sein un échantillon de personnes qui vont à leur tour régler le problème de la communauté. Un peu comme la Bible dit, Ecclésiaste, un groupe de gens mis à part. Mis à part par qui? Du côté de l'Église, c'est mis à part par Dieu. Mais du côté du pouvoir, c'est mis à part par ce peuple, par un mécanisme qu'on appelle élection. Ça veut dire le choix. Ce peuple choisit les meilleurs parmi eux. Ça veut dire le peuple se dit, bon, entre nous, nous choisissons. Nous sommes, c'est vrai, des menteurs, mais choisissons le moins menteur. Nous sommes les voleurs, mais choisissons le moins voleur. Nous sommes tous méchants, mais choisissons le moins méchant. C'est, en fait, c'est ça la logique d'un choix. Nous choisissons les meilleurs d'entre nous
pour qu'il nous représente et qu'il parle en notre nom. Alors, quand il va aller là-bas, à leur tour, eux vont eux aussi définir, c'est-à-dire que ils vont, eux, les élus là, vont à leur tour organiser la société de façon que les problèmes collectifs soient réglés. Et la première chose que cet ensemble fait, c'est de partager la connaissance. Nous devons vivre dans un pays où la connaissance est la chose la plus partagée, plus que de l'eau, plus que l'électricité, plus que le pain. Mesdames et messieurs, regardez les pays qui se sont développés, sont des pays qui ont su partager la connaissance. Parce que un pays ne se développe que par la connaissance, pas par le pain, pas par les mines, pas par l'agriculture, mais par la connaissance. Lorsqu'un peuple connaît, lorsqu'un peuple apprend, lorsque l'élite d'un peuple se bat pour transmettre la connaissance à son peuple, le peuple est affranchi. Parce que même la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Donc même la Bible reconnaît le fait que mon peuple ne périt pas parce qu'il y a la pauvreté, mon peuple ne périt pas parce qu'il y a des guerres, mais mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Parce que la source du problème de l'humanité, ce ne sont pas des guerres, parce que les guerres ne sont que les conséquences de l'ignorance. Parce que l'égoïsme, c'est l'ignorance. Le vol, c'est l'ignorance. La méchanceté, c'est l'ignorance. Le détournement des deniers publics, c'est l'ignorance. La gabegie financière, c'est l'ignorance. La mauvaise gouvernance, c'est l'ignorance. Le chaos, c'est l'ignorance. L'inanition, c'est l'ignorance. Les mots que nous connaissons tous proviennent d'une seule chose, l'ignorance. Et c'est cette ignorance-là que Dieu a qualifié de meurtrière. Dieu qualifie cette ignorance en disant que c'est ça qui tue mon peuple. Donc, un peuple qui n'apprend pas, un peuple qui ne cherche pas la connaissance, un peuple qui ne partage pas la connaissance, c'est un peuple voué à l'échec, voué à sa déchéance malheureuse et brutale. Alors, nous devons donc développer des mécanismes de transmission de la connaissance, enseignant nos petits-enfants, enseignant nos enfants, recycler nos enseignants, recycler les aînés, performer notre quotidien tous les jours. Parce que tout ne peut venir que par la connaissance. La connaissance, c'est la lumière. On ne chasse pas les ténèbres par la prière. Les ténèbres, on le chasse par la lumière. Alors donc, il faudrait inviter la lumière. Or, la lumière, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est la lumière. Ça veut dire, vous ne pouvez pas découvrir vos mines et vos richesses si vous ne connaissez pas. Il faut donc connaître. Est-ce que nous travaillons pour ça? Non. Nous ne travaillons pas pour ça. Les dirigeants, guillemets, ont besoin d'un peuple naïf pour mieux se servir d'eux. Voilà pourquoi ils vous rabâchent tout le matin des conneries comme quoi vous êtes un pays riche, vous êtes un pays fort, vous êtes un pays... C'est pour vous endormir davantage. Ils ne vous disent pas comment vous faites mieux. On est un pays où tout le monde flatte tout le monde. Le peuple flatte les dirigeants flattent le peuple. Donc, comment vous allez vous développer? Vous avez entendu la flatterie du peuple. Vous dites, peuple Djalelo, mais est-ce que vous savez que les véritables Djalelo sont ceux qui gèrent le pays? Parce que regardez ce qu'ils disent au peuple. Binonde bosa makondi, binonde bosa la kabato, binonde bosa kabinote, binonde bosa kibango, sachant qu'ils mentent. Sachant qu'ils sont en train de flatter ce peuple-là pour que le peuple leur donne encore un peu de voix, un peu de patience. Mais c'est comme ça qu'on fait. Et le peuple, quand il entend ça, il dit, ah, il y en a, à l'ingi biso mingi, à zo respecte biso. Bana tchangou boule, ki bana nyo sur un bok en amakasi, bilon de bonan danger, bilon de bonan économie. Mais ils vous mentent royalement. Parce qu'ils se servent de vous, justement, pour ça. Bana l'oubumbashi, bilon de boule, ki bana nyo sur don, bilon bonan somme, bilon bonan couivre. En fait, le don consiste à quoi ici? À vous faire croire que vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire, quoi. À vous faire croire que ce n'est pas à vous de vous battre. Eux, ils font battre pour vous. Or, le peuple se libère tout seul. On ne libère pas un peuple. Le peuple se libère tout seul. En faisant quoi? En connaissant, en cherchant la connaissance. Nous devons travailler là-bas. Mais comment on enseigne la démocratie dans ce pays? On enseigne la démocratie, quelqu'un peut insulter le chef de l'État, ça c'est la démocratie. Quelqu'un peut insulter Kabila, c'est la démocratie. Quelqu'un peut insulter un monsieur à la télé, c'est la démocratie. Quand vous avez un groupe des insulteurs, un journaliste qui passe tout son temps à insulter les gens, ben, vous dites ça, c'est ça la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie. Quand on vient rentrer dans la vie privée des gens, parler de ma femme, de mes enfants, de ma vie, de ma maladie, de tout, et puis on dit non, ça c'est la démocratie. Alors si c'est ça la démocratie, ben alors on n'a rien compris, quoi.
Platon disait que la démocratie était un système abject dans un pays qui n'a pas, où les gens n'ont pas assez étudié. Je crois qu'il a raison. La démocratie est une responsabilité énorme. Voilà pourquoi j'ai parlé de la limite entre l'anarchie et la démocratie. C'est la responsabilité. La responsabilité de qui? D'un peuple, mais aussi de l'élite. En quoi est-ce que l'élite doit être responsable? L'élite doit savoir que je dois mieux partager la connaissance pour que, avec un peuple instruit, on gagne beaucoup plus en termes de temps. Avec un peuple formé, on gagne en termes de temps. Avec un peuple averti, on gagne. Mais avec un peuple abruti, un peuple abéti, un peuple aménistre, on ne gagne pas, on perd le temps. Parce que c'est un peuple qui reste bébé. Un peuple qu'on va disculper. Un peuple à qui on va dire, ce n'est pas ton problème. C'est Kabila qui a fait tout ça. Ce n'est pas ton problème. C'est Fatshi qui a fait tout ça. Ce n'est pas toi. C'était Mobutu. Alors, toute le fois où l'on dit au peuple que lui n'a pas été, il n'est pas responsable du chaos du pays, on est en train de le disculper et il ne fait rien. Parce que de toutes les façons, comment voulez-vous qu'il prenne des responsabilités s'il sait qu'il n'a rien, lui, ce n'est pas lui le problème. Et ça, on nous a endormis avec ça pendant longtemps. Binoté, peuple, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, le peuple, non, ce n'est pas vous, le peuple ivoirien. Ce n'est pas vous, le peuple malien. Vous, vous êtes fort, le peuple, vous êtes très fort. Mais on vous a menti. Alors, tant que vous continuerez à disculper le peuple dans le processus du développement de l'éveil d'un pays, vous ne lui donnez pas la possibilité d'agir et de définir son avenir. Il faut responsabiliser le peuple. Il faut dire au peuple, peuple, vous avez contribué à la destruction. Parce que vous avez applaudi incessamment pour ces gens-là. Vous avez applaudi de manière ininterrompue à des escrocs. Vous avez fabriqué des démons. Vous avez fabriqué des monstres. Vous jetez des immondices dans vos rigoles. Vous jouez la musique de façon à déranger les autres. Vous corrompez pour vos enfants à l'école. Vous participez à la grande corruption et même à la petite corruption. Vous êtes égoïste. Lorsque vous avez le boulot, vous faites sortir les autres pour prendre le vôtre. Vous êtes des tribalistes, vous êtes des... Et c'est comme ça que l'on enseigne un peuple. Ainsi, le peuple dit, ok, celui qui gagne dans la responsabilité perd. Donc, il faut casser l'ancienne habitude. Et le peuple prend conscience. Le peuple dit, ok, il faut que j'évite le tribalisme, il faut que j'évite les favoritismes, il faut que j'évite le népotisme, il faut que j'évite. Lorsque vous donnez à un peuple le sens des vies, ça, c'est le travail de l'élite, mais on est parti. On est parti, on a gagné. Je me rappelle encore de ce que Mirabeau disait lors de la prise des Bastilles. Mirabeau disait, nous ne partirons d'ici que par la force des baïonnettes. C'était il faisait partie du peuple. Souvenez-vous de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a dit aux Anglais, personne ne sortira d'ici vivant. Aucun Anglais ne quittera cette salle, cet endroit vivant. Il y aura soit des morts, il y aura soit des morts ou des blessés, mais personne ne sortira d'ici vivant. C'était la parole de Jeanne d'Arc. Moi, je crois que nous pouvons dire la même chose aussi. Donc, c'était moi, ma contribution moi, pour expliquer la démocratie. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. C'est pour la plupart des cas de populistes. Quand on parle démocratique, la démocratie, c'est rien si vous n'avez rien à manger, si vous n'avez pas le développement, ça ne sert à rien. Votre démocratie, c'est à la con. Ça ne sert à rien. La démocratie, elle est solide lorsque le peuple a étudié, lorsque le peuple a été enseigné, lorsque le peuple a été instruit. Oui, c'est très important pour un peuple instruit de comprendre la démocratie. Mais je ne dis pas que le niveau académique est très important, disons, est déterminant. Non, mais c'est un atout. C'est véritablement un atout. Pour que les gens comprennent le sens de la démocratie, il faut l'enseigner. Voilà, moi, je dis même qu'il faut battre un niveau déjà d'école primaire. Le sens d'accepter les autres. Vous savez, quand on était petit, je ne sais pas si on le faisait ailleurs, mais quand on était petit, on nous faisait des petits concours de génies en herbe, on nous faisait des petits concours Yakouba dictée, Yakouba éloquence. Ça permettait quoi, en fait? Moi, je crois qu'il faut même qu'aux zones qui sont au niveau école primaire, débat entre enfants, partage d'idées. Les enfants doivent commencer à apprendre à partager, apprendre à supporter la contradiction. On met un groupe de 10 enfants de l'autre côté, 10 enfants de l'autre côté, on débat sur une question. Et vous allez voir comment les enfants réfléchissent, comment ils supportent la contradiction. Parce que c'est dès le bas âge qu'on apprend aux enfants de supporter la contradiction. Sinon, si les enfants ont grandi, sans savoir supporter la contradiction, ça devient demain des gens émotifs, émotionnels, épidermiques, qui se battent à tout moment. Il faut être en mesure de dire non et dire pourquoi on a dit non. Il faut être en mesure de supporter son point de vue. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont des lacunes. Ils ne savent pas défendre un point de vue. C'est le problème dans le bas âge. Moi, je dis toujours, le jour où on aura la chance de diriger ce pays, dans un ministère comme ministère de l'Éducation, mais vous aurez des programmes que vous n'avez jamais compris. Vos enfants doivent apprendre, déjà dès le bas âge, l'autonomisation. Ça s'apprend à l'école d'abord, à l'école primaire s'il vous plaît, l'autonomisation.
la question de responsabilité, la question de responsabilité, la question des échanges. Il faudrait que les enfants arrivent à échanger. Il faut créer des tissus, créer des ponts, déjà quand les enfants sont petits. Que l'enfant comprenne quand on dit non, c'est non. Quand on dit oui, c'est oui. Il faudrait arriver à inculquer à vos enfants le respect, la morale, même le développement personnel. Il faudrait apprendre ça dès le bas âge, pour que vous ayez des enfants ouverts. Regardez les enfants, quand on nous présente des enfants de blanc et tout le reste. Il a 6 ans, il a 5 ans, mais il peut vous parler de la vie. Moi, j'ai vu dans une école française, on est en train de poser des questions sur le racisme. Et s'il vous plaît, le racisme. Mais l'enfant dit, je m'appelle Johan, j'ai 7 ans. Il explique le racisme. Vous voyez que donc, ça dit qu'un enfant, il est déjà assez ouvert, il comprend certaines choses. Et donc, nous pouvons faire ça chez nous aussi. Nous pouvons parler du tribalisme avec nos enfants. Déjà à 4 ans, 5 ans, un enfant qui sait déjà parler, à 7 ans, il est en première année primaire, il peut déjà nous parler du tribalisme. On essaie à leur dire, voici les pièges, voici les dangers. Nos enfants devraient apprendre quelques notions de la flatterie, notions et tribalisme. Comment refuser ça? Comment détruire la flatterie? Pour avoir une génération sans djalélo, pour avoir une génération des hommes et des femmes objectifs. Mais on fait comment? C'est au niveau de l'école. Ça, c'était un élément important qu'il fallait quand même que je le dise, même si on aura encore beaucoup de temps pour en parler. Maintenant, j'entends encore les gens parler de comment on appelle ça, le recensement. Mais j'ai reçu un monsieur ici, un professeur, pas un politicien. J'ai reçu le professeur Agbada. Le professeur Agbada, je vais encore le recevoir peut-être la semaine prochaine. Si Dieu nous aide, je le recevrai encore la semaine prochaine. Pour que le professeur Agbada vienne nous expliquer encore une fois le recensement. J'entends une pollution. Je vais dire Madame Ifoku. Madame Ifoku dit par exemple que les élections, on peut il a parlé de recensement. Hein, si je ne me trompe pas, parce qu'il ne faut pas que je raconte des choses. Ce sont ses propos à elle. L'idée du recensement ne va pas nous empêcher d'aller aux élections. Moi, je suis d'accord avec elle. Mais quand Madame dit on peut organiser les recensements, avant les élections, en une année on peut faire les élections, en disant on peut organiser les recensements, je crois que soit on sait ce qu'on dit, ou alors on ne sait pas. De quel recensement nous voulons? Si nous voulons un recensement bâclé, on peut le faire même en un mois, on peut le faire. Si on veut bâcler les choses, même en un mois on peut organiser les recensements et ça s'arrête là. Si nous voulons faire des choses bien, si nous voulons faire des choses qui resteront dans le temps, pas des choses bâclées, mais des choses bien dans le temps, on ne s'emploie pas à faire des déclarations comme ça. On essaie de parler aux experts de la question. On essaie d'entendre ceux qui ont étudié ça, parce que la question du recensement, c'est des gens ont des diplômes de ça. Il y a des hommes et des femmes qui sont allés à l'école que pour ça. Comment on recense les populations, comment ça se fait. Et puis, il y a plusieurs types de recensement. Alors, quand on dit, ton recensement, de quel type de recensement vous parlez? Parce que les recensements, ce n'est pas ce qu'on voit. Papa Boni, c'est pas ça les recensements. Il faut d'abord partir du côté, sur de base technique. On parle de quel type de recensement. Et même quand l'UDPS dit par exemple, il faut te recenser avant l'élection. Non, le problème peut-être c'est mal dit, ou peut-être c'est dit contrairement, ou peut-être c'est dit pas de la bonne manière. C'est un choix politique que l'on devra faire. Le choix politique va consister à faire quoi? À dire, ok, est-ce que nous stoppons les élections pour recenser la population après faire des élections? Ce sont des questions qu'on se pose. Ou bien on se dit, non, on ne peut pas interrompre la Constitution. On va respecter la Constitution, les délais constitutionnels vont être respectés, et nous allons commencer un processus du recensement qui nous prendra par exemple 4 ans, qui nous prendra par exemple 5 ans, sans interrompre le processus électoral. C'est un choix que l'on devra faire. Mais arrêter le débat pour dire non, ça va être comme ça, mais c'est compliqué parce que dans les domaines scientifiques, on ne bloque pas, on n'arrête pas les choses. Parce que finalement, il y a des éléments qui peut-être que vous ne prenez pas en compte. Je vous dis, comme je vous ai dit ici, il n'y a pas une seule face, il n'y a pas qu'un seul type de recensement. Il y a plusieurs types de recensement. Alors, quel type de recensement nous voulons faire? Donc, je pense que. Ok, bon. Alors, le processus électoral, comme je l'entends aussi. Moi, je suis d'avis, je peux vous le dire sincèrement, je suis d'avis que les élections aient lieu en 2023, comme la Constitution le dit. Moi, je suis d'avis. Seulement, je voudrais que l'on sache exactement ce que l'on veut. Est-ce que nous allons aller aux élections comme nous sommes allés en 2018? Ça ne fait rien, on y va comme ça? Alors, si on y va comme ça, rassurez-vous que le peuple n'est pas dedans.
Si on y va comme ça, c'est que le peuple n'est pas dedans. Ça va être juste une réponse à certains politiciens en mal de position. Ils veulent être élus. C'est ça leur problème. Mais le peuple, lui, ne trouvera pas son compte dans une élection bâclée comme ça. Le peuple ne peut trouver son compte que lorsque les élections prendront compte ou tiendront compte de tout ce que nous avons comme enjeu. Moi, je vous ai toujours posé des questions. Je continue à le poser des questions. Pourquoi il faut qu'on ait 500 députés? C'est sur base de quels calculs? Ces données-là n'ont pas changé? Ces populations-là n'ont pas changé? Est-ce que vous réfléchissez sur la question? On dit on va aller aux élections. Oui, pour avoir combien? 500 députés. Donc, si Bandundu, un exemple bête, si Bandundu, autrefois en 2006, était coté comme une population estimée à autant, donc jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé quoi. Donc, on va dire 2006 jusqu'aujourd'hui. Donc, 14 ans après, rien n'a changé. Tous ces enfants qui avaient 4 ans, 5 ans, donc rien n'a véritablement changé. Donc la population n'a pas augmenté. Et donc il n'y a pas eu de mouvement migratoire. Tout est resté comme ça. Donc nous avons des élections alors que nous vivons avec le fichier de 2006. L'architecture de 2006. Mais nous savons tous dans un principe simple. Les populations, ça change. Ça grandit. Ça se développe. Mais bien, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Le siège, ça l'a mis. Les sièges sont proportionnels à la population. Tu as une humeur et tu as une humeur. Donc, ce qui est à Bumba, il y a 15 000 personnes. Et qui a droit à deux sièges. Donc, le lot, il y a 15 000. Il y a 12 000, il y a 19 000. Donc, ceux qui ont 19 000, vous ne les intégrez pas. Comment ça se passe? Vous voyez? Et nous voulons aller comme ça. Toi, les gars, ça la grave élection, organisons seulement. Non. On n'organise pas des élections pour le besoin d'organiser des élections. On organise des élections pour consolider le sens démocratique d'un pays. Consolider le sens démocratique. Ça veut dire faire participer le peuple dans les prises de décisions de façon collective. Mais si vous prenez 2000 personnes qui, hier, autrefois, avaient droit à deux sièges, aujourd'hui, cette population a commis plus de 8000. Mais vous ne leur laissez que deux sièges. Ça veut dire vous excluez 6000 personnes. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez continuer les choses? Bon. Si vous avez un bon début de ok, allons-y comme ça. Alors ne nous plaignons pas. Mais si nous voulons faire les choses bien, il n'y a pas de mal à s'arrêter et dire maintenant réorganisons les choses. Il n'y a pas de mal. Même la France, qui est une vieille démocratie, a plusieurs fois touché sa constitution pour l'adapter au vécu et aux réalités. Tous les pays du monde ont une fois ou deux changé leur constitution pour ne serait-ce qu'améliorer les conditions, adapter ça. Mais vous, vous avez des trucs de 2006. Jusqu'aujourd'hui, il y a peut-être 14 ans passés. Mais vous continuez quand même, 15 ans passés. Mais vous continuez quand même avec les mêmes choses. Et vous êtes vous... Non, vous êtes vraiment aventuriers. Excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes des aventuriers, quoi. Ceux qui parlent à l'élection tous les jours, du matin au soir, sans vraiment connaître l'âme de la chose, excusez-moi de vous dire, ils sont des aventuriers. Et ils savent qu'ils sont aventuriers. Ngana Zozé, elle a des pieds fermes. Ma proposition est refonte, il y a Martin Fayulu Naf Mozuto. Ngana Zozé, elle a des pieds fermes. Je demande même à mon ami Mungumba, envoie-moi les projets. Bishop de Tanga, Ngo Tanga, Ngo Peuple, tout réfléchir. La Sengi copie, il y a ma réforme, il y a Bino. Bon, c'est bien, tout étudier, Ngo. Total, en quoi est-ce que ce sont des réformes? Ce que ça bien, tu vas appuyer, Ngo. Ce que ça m'a bien, tu vas nous appuyer, que ça m'a bien. Voilà. Merci d'avoir été nombreux. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout congolais, unis.
Kimya pana kungu.